Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 108 afin de réviser ensemble des flashcards santé. Comme d'hab, n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Prêt? C'est parti! C'est quoi l'ADN polymérase? Alors, euh, l'ADN polymérase, c'est une enzyme et pas une protéine comme je le croyais avant euh, qui permet de catalyser donc de réorienter euh, l'adn en y ajoutant sa petite touche personnelle qui sont des nucléotides à quoi ça sert ben en fait ça permet de euh, transmettre euh, l'information génétique ce qui est euh, ben, en fait essentiel à la vie et qui permet euh, de réparer l'adn de la répliquer correctement etc, etc. donc c'est vraiment essentiel euh, moi j'aime bien penser en analogie à une, euh, une photocopieuse en fait qui recopie en fait euh, l'ADN en y ajoutant sa une petite signature on va dire euh... c'est une analogie assez parlante que Lya nous donne et même que des professeurs euh, donnent donc je trouve ça in assez intéressant assez mémotechnique l'étymologie de alors de polymérase parce que ADN, on sait ce que c'est polymérase poli plusieurs mérase je sais pas du tout par contre euh... après en application pratique ben l'ADN implique euh, un grand tas de de maladies génétiques, hein. pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment pas mon truc, mais l'IA va nous le proposer, je pense. Euh, que dire d'autre euh, Je sais pas quoi dire d'autre. Euh, je sais que le zinc est intéressant pour soutenir ça, mais comment l'expliquer Je sais pas du tout. Euh, en plus, il y a d'autres nutriments qui, qui sont intéressants pour ça. Euh, donc, passons sans plus attendre à la vérification. C'est parti C'est quoi l'ADN polymérase L'ADN polymérase est une enzyme qui catalyse la synthèse de l'ADN à partir de désoxyribonucléotides, en utilisant une molécule d'ADN existante comme modèle. Les ADN polymérases sont essentielles pour la réplication de l'ADN, permettant la duplication précise du génome avant la division cellulaire. Elles jouent un rôle crucial dans le processus de réplication en ajoutant des nucléotides complémentaires à la chaîne d'ADN en croissance, en s'appuyant sur les règles de complémentarité des bases A, avec T et C avec G. Ces enzymes possèdent également une activité de correction de preuves, proofreading, qui leur permet de vérifier et de corriger les erreurs de base qui pourraient survenir lors de la réplication de l'ADN. L'activité de l'ADN polymérase peut être comparée au principe de clé-serrure, où l'enzyme reconnaît spécifiquement le modèle d'ADN, la serrure, et ajoute les nucléotides correspondants, les clés. De manière à ce que les bases s'assemblent correctement selon les règles de complémentarité des bases. Le terme polymérase est dérivé du grec poly, signifiant plusieurs, et méros, signifiant partie, en référence à la capacité de l'enzyme de catalyser la formation de longues chaînes ou polymères d'ADN. Imagine l'ADN polymérase comme un artiste très méticuleux travaillant sur une longue fresque murale, l'ADN, copiant scrupuleusement un modèle existant, tout en vérifiant chaque détail pour s'assurer qu'aucune erreur ne s'insinue dans son œuvre. En médecine, les ADN polymérases sont utilisées dans de nombreuses applications biotechnologiques, y compris la réaction en chaîne par polymérase, PCR, une technique essentielle pour amplifier de petites quantités d'ADN utilisées dans le diagnostic de maladies, la recherche en génétique et même dans les enquêtes criminelles. L'ADN polymérase est une enzyme indispensable qui joue un rôle central dans la réplication de l'ADN, assurant la transmission fidèle du matériel génétique d'une génération de cellules à la suivante. Quelle est l'importance de l'activité de correction de preuve de l'ADN polymérase dans la réplication de l'ADN euh, Là, je ne sais pas trop. Je dirais que ça peut éviter euh, des mutations, des, des maladies, euh, je ne sais pas si on pourrait dire épigénétiques, je ne sais pas trop. Mais aussi peut-être éviter certaines créations de protéines déformées. Je ne sais pas trop. Tu es sur la bonne voie. L'activité de correction de preuve (proofreading) de l'ADN polymérase est essentielle pour maintenir l'intégrité génétique. Ce mécanisme permet à l'enzyme de repérer et de corriger les erreurs qui se produisent lors de l'ajout de nouveaux nucléotides durant la réplication de l'ADN. Voici comment cela fonctionne. Fonction de correction de preuve. Quand l'ADN polymérase incorpore un nucléotide incorrect, la structure de l'ADN nouvellement formée ne s'aligne pas correctement. L'enzyme détecte cette déformation grâce à son activité exonucléase, qui peut exciser le nucléotide mal apparié. L'ADN polymérase revient ensuite en arrière, retire le nucléotide incorrect et insère le bon nucléotide à sa place. Importance de la correction de preuve. Prévention des mutations. La capacité de l'ADN polymérase à corriger les erreurs minimise les mutations dans le génome. Les mutations non corrigées peuvent conduire à la production de protéines dysfonctionnelles, ce qui peut affecter le fonctionnement normal de la cellule et potentiellement mener à des maladies, y compris le cancer. Stabilité génétique. Cette activité assure la stabilité génétique à travers les générations de cellules, permettant une transmission fidèle du matériel génétique. Ton intuition est correcte. En évitant l'accumulation de mutations, ce mécanisme contribue indirectement à prévenir certaines maladies et anomalies génétiques. Ce n'est pas directement lié à l'épigénétique, qui implique des changements dans l'expression des gènes sans altérer la séquence d'ADN sous-jacente. Mais il joue un rôle crucial dans le maintien de la fidélité du génome. Incroyable, c'est trop stylé. Ça va partir en flashcard direct. C'est quoi un aldéhyde monoterpenoïde Waouh donc, euh, toute nouvelle flashcard à mettre dans le deck. Euh, L'IA l'avait abordée euh, fin de semaine dernière, je crois, quand on parlait de safran. Donc, c'est pour ça que j'ai une toute petite idée de ce que c'est, même si elle est très vague. Euh, donc, l'aldéhyde monoterpénoïde, euh, on dirait un nom de droïde. <laughs> euh, en fait, c'est un composé euh, qui dit terpénoïde, dit terpène. Donc, un composé chimique aromatique, on va dire. Qui est volatile, euh, comme euh, le menthol, si je dis pas de bêtises, euh, et euh, aldéhyde, je sais pas trop, je sais pas quoi dire dessus en vrai. Euh, je sais qu est, que c'est quelque chose qui est assez soluble dans l'eau, mais à part ça, <laughs> je sais pas du tout. Donc euh, passons à la vérification, je suis curieux de savoir ce qu'elle va nous dire dessus. Euh, vérification C'est quoi un aldéhyde monoterpenoïde un aldéhyde monoterpénoïde est un composé organique qui fait partie de la famille des monoterpènes, caractérisé par la présence d'un groupe fonctionnel aldéhyde. Les monoterpènes sont une classe de terpènes, qui sont des hydrocarbures constitués de deux unités isoprènes, une structure à cinq carbones. Les aldéhydes monoterpénoïdes combinent donc cette structure de base avec un groupe aldéhyde, CHO, ajoutant une fonctionnalité réactive à la molécule. Ces composés sont largement répandus dans la nature, particulièrement dans les huiles essentielles de nombreuses plantes et fleurs, où ils contribuent à l'arôme et aux propriétés biologiques des plantes. Par exemple, le citronellal est un aldéhyde monoterpénoïde trouvé dans l'huile de citronnelle, connue pour ses propriétés répulsives contre les moustiques. Bien que le principe clé serrure s'applique typiquement aux interactions enzyme-substrat, on pourrait utiliser une analogie similaire pour décrire comment les aldéhydes monopénoïdes interagissent avec les récepteurs olfactifs, se liant de manière spécifique pour produire des odeurs distinctes. Le terme terpène provient du mot terpentine, une ancienne désignation de l'essence de térébenthine, riche en terpène. Aldéhyde vient des mots al pour alcool et déhyde, une contraction de déshydrogéné. Reflétant le fait qu'il est formé par l'oxydation d'un alcool. Pense aux aldéhydes monoterpénoïdes comme au chef cuisinier des plantes, mélangeant les saveurs-odeurs pour créer des parfums captivants qui attirent les pollinisateurs ou repoussent les ravageurs, tout en ajoutant un zeste d'aldéhyde pour pimenter les choses. Ces composés sont non seulement importants dans l'industrie des parfums et des arômes, mais ils sont aussi étudiés pour leur potentiels effets antimicrobiens, anti-inflammatoire et insectifuges. Offrant des applications dans la médecine et l'agriculture durable. Les aldéhydes monoterpénoïdes sont des composés naturels fascinants qui jouent des rôles essentiels dans l'écologie des plantes et ont des applications pratiques importantes pour l'humain, allant de la parfumerie à la pharmacologie. Quel rôle les aldéhydes monoterpénoïdes peuvent-ils jouer dans la protection des plantes contre les ravageurs ben, com Comme tu l'as cité, euh, contre les ravageurs, elles jouent un rôle d'insecte. Fuges, euh, voire même aussi contre les animaux en fonction de, des plantes bien sûr. Euh, je sais pas du tout comment ça s'appelle quand ça lutte euh, contre les animaux euh, parce qu'il y a fongicides, insecticides, mais pour les animaux, je sais pas comment ça s'explique. Je connais pas le terme. Euh, et tout ça grâce à ses arômes, mais aussi à ses effets pharmacologiques, comme tu l'as précisé. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. C'est une excellente réponse. Les aldéhydes monoterpénoïdes, grâce à leurs propriétés odorantes et à leurs effets bioactifs, jouent en effet un rôle crucial comme insectifuges, repoussant non seulement les insectes, mais également d'autres animaux qui pourraient être sensibles à leurs composés. Le terme général pour les substances qui repoussent les animaux est répulsif. Mais quand on parle spécifiquement de repousser des animaux plus grands, on peut parler de répulsifs animaux. Ces composés ne se limitent pas à un effet dissuasif basé uniquement sur l'odeur. Certains peuvent aussi avoir des effets irritants ou toxiques pour les ravageurs, contribuant ainsi à une défense chimique efficace contre une large gamme de menaces. Cette multifonctionnalité fait des aldéhydes monoterpénoïdes des éléments précieux dans l'arsenal défensif des plantes. Super, merci pour euh, toutes ces explications. Euh, Parle-moi des différents composés terpénoïdes. Terpénoïdes, terpénoïdes ouais, c'est ça, euh, que l'on peut euh, retrouver dans l'alimentation humaine. Et si tu peux évoquer aussi rapidement euh, les bienfaits étudiés, s'il te plaît, euh, n'hésite pas à regarder sur Internet. Les terpénoïdes, une classe diverse de composés présents dans de nombreux aliments, offrent une gamme impressionnante de bienfaits pour la santé grâce à leurs propriétés bioactives. Voici quelques exemples de terpénoïdes courants que l'on peut trouver dans l'alimentation et leurs bienfaits étudiés. 1. Monoterpène. Ceci inclut le limonène, trouvé dans les agrumes comme les oranges et les citrons, qui est connu pour ses propriétés anticancéreuses et son rôle dans la promotion de la santé gastro-intestinale. 47 sources. 48 sources. 2. sesquiterpènes. Le bêta caryophyllène présent dans le poivre noir, possède des propriétés anti-inflammatoires et est utilisé pour traiter la douleur et les inflammations. Il est également exploré pour ses effets potentiels contre le cancer. 3. Diterpène. Le cafestol et le cawéol présents dans le café ont été étudiés pour leurs effets protecteurs contre certains types de cancer et leur capacité à influencer le métabolisme des lipides, malgré leur contribution à l'augmentation du cholestérol chez certains individus. 48 sources. 4. Triterpène. Les triterpènes comme ceux trouvés dans les champignons médicinaux, sont étudiés pour leurs propriétés anticancéreuses, antioxydantes et antivirales. Ils jouent un rôle crucial dans la défense immunitaire et la réduction de l'inflammation. 48 sources. 5. Tétraterpène. Principalement connu sous le nom de caroténoïde, ces composés confèrent aux fruits et légumes leur couleur vive, allant du jaune au rouge. Le bêta-carotène en particulier est un précurseur de la vitamine A essentiels pour la santé oculaire, la croissance cellulaire et le système immunitaire. Ces composés ne sont pas seulement bénéfiques pour leurs propriétés curatives ou préventives concernant diverses maladies, ils jouent également un rôle essentiel dans la protection des plantes contre les herbivores et les microbes, ce qui, à son tour, protège les consommateurs de ces plantes. Les recherches continuent de révéler Comment ces substances influencent la santé humaine au-delà de leur rôle traditionnel dans l'alimentation. Ouvrant la voie à des applications nouvelles dans les domaines médical et pharmaceutiques. Wow, il y a de quoi remplir le deck de flashcards là. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao